Je l'ai fait. Quelques minutes après ce premier titre, cette première victoire, Jonathan Khalifa, bah bravo déjà. Chip leader au D1B, si je me trompe pas. T'as pas commencé dans les meilleures conditions la TF, t'étais dans le milieu du tableau, quoi, on va dire. Et puis là, t'as écrasé tout d'un coup, t'as pris 50% des jetons en circulation. Plus rien pouvait t'arrêter. Question basique, bête, mais faut la dire une fois. Quelles sont tes premières impressions, tes premiers sentiments? Premier sentiment tout juste extraordinaire, c'est une sensation unique. Je souhaite à chaque joueur de poker de vivre ça au moins une fois dans sa vie, de gagner un main event. C'est juste extraordinaire. Moi qui aime le poker, c'est sûr, j'en fais pas mon métier. Ça reste une passion pour moi et un hobby depuis des années, même si j'ai fait pas mal d'ITM, etc. Mais gagner un main event comme ça, c'est juste extraordinaire. Les joueurs ont été super sympas, l'organisation au top, j'ai rien à dire. Je me suis senti bien dès le départ, en fait. T'es pas trop stressé à table, pour te connaître un petit peu, t'es jamais trop stressé de toute façon. C'est vrai, je suis tout le temps jovial. Après on vient pour se divertir, on vient pour s'amuser aussi, donc si on se prend la tête à une table, autant rester à la maison. Donc voilà, faut prendre le jeu comme il vient et s'éclater et prendre du plaisir tout simplement. Alors on peut dire que t'es pas un joueur professionnel, puisque t'as une activité professionnelle, vraie entre guillemets à côté. C'est ton premier titre, ton premier gros titre. Oui exactement, c'est mon premier gros titre. Je le dédicace à un ami qui m'a fait venir ici parce que sans lui je serais peut-être pas venu et il aurait pas réussi à convaincre ma femme. C'est Philippe Torda, donc je te dédicace ce titre et je te remercie de m'avoir venir ici. Et oui, c'est pas mon activité principale parce que maintenant je suis expat à LA et je suis bien là-bas. Est-ce qu'une partie de cet argent, on le sait, bon, y a ta femme qui va un petit peu en profiter, c'était le deal pour que tu viennes, va être réinvestie quand même dans le poker? Il y a les petit champion du monde qui arrive cet été là dans peu de temps, et est-ce que tu vas jouer un peu à Vegas du coup? Et oui, forcément, je vais partir à Vegas et on va s'éclater avec les poteaux. Et en France, tu comptes revenir pour défendre ton titre sur un prochain WPT ou à Marrakech par exemple, où on t'avait déjà vu à Marrakech aussi? Je pense que si mon emploi du temps et le job que je mets en place là-bas me le permet, oui, 100% je viendrai parce que j'adore ça et j'adore l'ambiance en France et en général des WPT c'est juste extraordinaire, donc oui, je viendrai. Bah écoute, encore bravo. Nous, du côté PMU, un grand merci aussi aux équipes du World Poker Tour avec ce nouveau Deep Stack. On se retrouvera sur cette formule à Marrakech fin septembre, début octobre pour notre traditionnel WPT là-bas. Et puis entre-temps, moi, avec la team PMU, j'aurai la chance d'aller aussi te croiser dans cette petite capitale du Nevada, voilà, où on sera à partir du 24 octobre pour le Monster Stack et puis le plus longtemps possible jusqu'à la fin du Main Event. Merci à tous de nous avoir suivis. Je sais que sur les Twitch, on a battu les records. On était à plus de 1500 viewers en même temps et on est monté à 7000 ou 8000 vues. Bravo encore à toi. Et puis à très bientôt, à très vite, que ça soit par écrit, par télé, au FPO, à Gujan et au World Poker Tour, surtout à Marrakech en octobre. Qualification sur PMU, oublie pas. Ciao, merci. Merci beaucoup.